Donc, bonjour aux personnes qui sont présentes aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce matin là, une ou deux applications en ligne là, qu'on peut utiliser pour faire de la programmation avec Arduino puis faire des circuits électriques. La partie circuit électrique, je ne passerai pas trop de temps dessus compte tenu qu'on ait déjà fait une petite présentation de Tinkercad Circuit pour être capable de faire des circuits électriques. Là, donc, vous pourrez retourner voir dans les présentations précédentes, de petites 5 minutes qu'on a faites sur ça. Le premier outil que je veux vous présenter, c'est Tinkercad. Tinkercad est plus connu pour le dessin 3D. Cependant, il y a également une option pour faire des circuits électriques. Donc, juste pour être certain, on voit bien mon écran de Tinkercad. Donc, si on va, donc c'est dans le même compte, là, on n'a pas besoin de s'ouvrir un compte particulier. Toutes les options sont là. Donc, si on va dans circuit électrique, on peut facilement créer un nouveau circuit. Vous voyez que bon, j'ai plusieurs circuits qui sont déjà présents. Ils ne sont pas tous très utiles. Il faudrait que je fasse un ménage. Mais dans l'option des composantes qu'on va voir ici, on peut aller là, chercher. Puis c'est nouveau là, parce qu'ils ont ajouté Microbit puis ils font une publicité un peu. Là. Mais il y a également le Arduino. Donc, dans le Arduino, lorsqu'on va venir dans les composantes qui sont présentes, on peut déjà choisir à travers une liste de circuits qui sont déjà faits. Donc, supposons on va aller chercher... ou le capteur, on va aller chercher le cerveau moteur. Donc, le circuit est déjà fait. Donc, l'élève pourrait déjà se baser là-dessus et dire, OK, moi, je veux brancher un cerveau moteur. Je suis ce circuit-là, puis je peux être autonome là, pour juste faire les branchements. Donc, ça, c'est fort intéressant lorsqu'on va le partir. Par la suite, bien, si on démarre le simulateur, là, on voit qu'il y a un mouvement qui est fait. Donc là, on ne sait pas pourquoi le mouvement est fait. Bien, ce qu'il y a d'intéressant dans le simulateur de Tinkercad, c'est qu'on peut aller dans l'option « Code » qui est ici. Et là, le code, quand c'est une plaquette qui est déjà préparée par Tinkercad Circuit, bien, on a le code en bloc qui permet de faire le mouvement. Donc ça, il y a un apprentissage qui peut être fait. Là, on va grossir un petit peu. Donc, un apprentissage pour l'élève, il ne part pas de rien. Si on veut travailler un peu avec lui les circuits puis voir un petit peu la programmation, c'est en Scratch. Donc, on peut là, voir un petit peu là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la programmation. Il y a plusieurs modes de programmation. Donc, oui, on peut avoir en bloc, mais on peut avoir également en C++, là, qui est le code normalement qui est utilisé par Arduino. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Il y a toujours, puis ça, je ne savais pas, mais dans les logiciels, j'ai appris ça il y a 2 semaines, dans plusieurs logiciels de programmation, on va avoir un petit insecte qui est ici, puis ça sert à faire du débogage, ce qui permet de voir, quand on parle, supposons, au simulateur, là, souvent, on va être capable de voir, dans le cas présent, il ne le fait pas, j'aurais dû le vérifier, mais dans d'autres, il nous montre à quel endroit il est rendu dans le code, par rapport aux actions, puis il y a des couleurs qui encerclent autour. Donc, lui, présentement, il ne le fait pas, mais il y en a d'autres qui vont me permettre de savoir il est rendu où dans le code, puis voir un peu les erreurs. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites. Sinon, si on cache le code, on peut également venir dans les éléments de base, puis on peut ensuite... Hop, non, c'est pas ça. On peut aller dans tout, pas de base. Puis, on peut venir nous-mêmes créer notre propre circuit, ajouter des platines, ajouter des composants sans faire les branchements. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant là-dessus. Juste préciser que ça fonctionne sur toutes les plateformes, mais il n'est pas optimisé pour les cellulaires puis les iPads. Donc, si jamais vous le faites sur iPad, vous allez voir qu'il y a des bugs. Quand on rapetisse l'écran, on n'est plus capable de l'agrandir par après. Ce n'est pas encore optimisé là, pour être capable que ça soit efficace, mais on peut l'utiliser là, à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on est à distance, le simulateur fonctionne très bien puis on est capable de faire la programmation là, de nos circuits électriques. Puis là, bien, on peut nous-mêmes là, créer nos propres circuits puis créer nos fils puis faire les branchements. On peut facilement expliquer. Ce que de le fun, justement, dans le breadboard, c'est peut-être un concept qui est difficile un peu pour certains élèves. Donc, on voit justement, là, quand je promène un fil, que bon, ces 5 connecteurs-là sont branchés ensemble. Même chose ici, de la ranger au complet et connecter. Donc, ça peut, visuellement parlant, aider justement à comprendre là, au niveau des élèves. Donc, il y a quand même une bonne quantité de circuits. Puis, pour ceux qui veulent faire de l'électricité, bien, on peut venir effectivement brancher un multimètre, donc soit mesurer la tension, l'ampérage ou encore la résistance dans un circuit, donc faire un vrai laboratoire d'électricité, mais en virtuel. Puis, il va y avoir des choses qui sont très intéressantes là-dedans.
Donc, ça, c'est le premier logiciel. L'autre que je voulais vous présenter aussi, qu'on apprécie de plus en plus parce que on avait une problématique avec Arduino, principalement lorsqu'on tombait sur le Chromebook. La programmation est difficile avec le Chromebook, mais maintenant, mBlock 5, qui est fait par MakeBlock, permet, qui est plus populaire là, pour des robots, si on parle de Ranger ou encore MBot. On peut venir ajouter maintenant tout plein de nouvelles composantes, puis on peut ajouter le Arduino Uno. Ce qu'il y a cependant, lorsqu'on va ajouter les composantes, cela ne me permet pas de faire de simulation du circuit électrique ou faire le circuit avec les fils qui sont branchés, ça me prend l'autre outil. Mais on peut cependant aussi le soit programmer en bloc ou encore voir la programmation là, en C++. Puis on peut aussi télécharger vers directement le Arduino là, pour être capable d'en faire la programmation. Donc, c'est les deux outils que je voulais présenter rapidement ce matin, là. Donc, s'il y en a qui sont intéressés de travailler un petit peu plus sur ces deux outils-là, là, on pourra faire une salle tout à l'heure pour travailler ensemble.